ensemble pour bâtir l'avenir. Nous savons que nous n'avons qu'une planète. Cela fait à peu près maintenant une quinzaine d'années que nous travaillons avec le Burkina Faso, en particulier avec Ouagadougou, que nous essayons de faire en sorte que cette capitale puisse avoir des services urbains qui fonctionnent, en particulier dans le domaine des déchets. On sait qu'en Afrique, c'est un problème fondamental et ils ont commencé depuis quelques années à recycler du point de vue de l'alimentation en eau de Ouagadougou. Là encore, l'expérience lyonnaise a été porteuse de beaucoup de fruits pour les habitants de Ouagadougou. Donc, comme vous le savez, c'est un pays qui connaît un certain nombre de difficultés en matière de sécurité. Et donc, il a été particulièrement important qu'un pays comme celui-là puisse être aujourd'hui l'invité d'honneur de Polytech et de montrer que nous souhaitons tous que ce soit un pays qui continue à aller de l'avant. Pourquoi le Burkina Faso a ce salon? La question, la réponse est tout simple. Vous savez que le salon, c'est le lieu de regroupement de l'ensemble des acteurs qui interviennent dans l'environnement. Et qui veut parler de l'environnement, protection, développement durable, doit être à ce salon. Donc pour nous aujourd'hui, c'est d'apporter la vision du Burkina Faso en matière de développement durable et bien sûr tisser tout ce qui est partenariat permettant au Burkina Faso de mettre en œuvre sa politique en matière de développement durable.